Révocation commissaire Muscadet, c'est bagaille qui choquait un peu le monde après gros menace ministre justice, ministre injustice là, Émilie Prophète, madame territoire perdu, et ben qui lui même menacé pour révoquer commissaire Muscadet et monde. Donc Miragouane qui au même levé campé, tout le monde prend la rue et voye pinga. Bah, gouvernement Ariel Henry a précisément ministre injustice là, Émilie Prophète qui lui-même écrit une lettre de blâme bah commissaire Muscadet et fait le gros menace parce que lui estimait au poté en pile plainte pour lui comme quoi commissaire Muscadet t'a créé des ordres dans le département. Après ça on connaît fin passé côté commissaire a quitté juridiction lui, il t'a opéré dans juridiction commissaire Richemont bagaille ça font pile parler et c'est là un pile nèg qui déjà parlait mais Muscadet et ben t'es commencé à voyer pied, t'es commencé donc à estomaquer le fait que commissaire et ben lui poser un acte que un pile monde trouvé qui va devoir poser le fait qu'elle quitte juridiction pour la opérer si, sous juridiction donc commissaire Richemont bagaille ça fait un grand tollé et jodi a ministre injustice là Émilie Prophète il sorti dans silence li pour révoquer commissaire Muscadet. En pile moun Miragouane di bagay sa pas passé et si commissaire Muscadet ta révoqué ben y a rentré Port-au-Prince pour vinn mettre dans la vie ministre injustice là on va inviter gen tout détail dans vidéo ça mesdames et messieurs gagné tout chef gang barbecue nous connaît qui lui même et sautement qui mouri là et ben yon nan soldat barbecue qui trahi li côté monsieur prend l'argent ak poison dans mais l'autre base et non mon l'autre bandi on dit le comme ça. Et bien pour retirer la vie commissaire Muscadet mesdames et messieurs dans vidéo ça nous allons inviter au gain tout détail et bien sous comment barbecue lui même t'a perdu la vie lui et sous comment tout donc ISO là tout monsieur manque moi parce que gagné plusieurs soldats dans base ISO qui tombaient et n'yo tombé au pas levé oui nous remet ça en pile et ben nous allons inviter au gain tout détail mesdames et messieurs dans vidéo ça ou sous TV la caille restez connectés bonne écoute tout le monde n'a tourné. Mais attendant, nous rejoignons Néonel, information faite tomber là. C'est qui ça, information? C'est ministère justice qui est à la tête, Émilie Prophète. Eh bien, Émilie Prophète qui frappe là très fort, côté menacé, et maintenant l'aide de blâme. Eh bien, commissaire Muscadet pour ta révoquer là. Étendez bien, quand on parle d'internaut, monde a fait bon vivre. Dans le 15 décembre, adressé avec le commissaire gouvernement AIA pour le tribunal de première instance Miragouane, Jean-Ernest Muscadet. Ministre de justice là, et de sécurité publique, là, il blâme sévèrement le commissaire Ernest Muscadet. Il estime qu'il était utile, important, attirer attention là, et bien sous caractère illégal. Par exemple, l'action qu'il a posée, c'est des actions illégales. Qui posait comme commissaire gouvernement Miragouane. Selon le ministre, Émilie Prophète, en plus, je ne comprends pas ça pour régler, qui te dit des territoires perdus. Il te dit, il te même pour te dire sous diaspora tout, mais Muscadet fait un pile de dégâts dans le poste, selon Émilie Prophète. Dernier, il fixe propre règle, mais il dit, Muscadet fixe propre règle, il fixe propre principe, puis loin. Le ministre va appeler le commissaire qu'il peut permettre aux individus. Et maintenant, non, avec bénédiction, qui fait bloquer Mariani, selon le ministre qui a parlé. Le ministre dit, mais Mariani qui bloque la région, c'est par rapport avec eux. Oui, mais le commissaire Adaé qui cause Mariani bloqué. Est-ce que c'est absolument inacceptable pour un homme de loi, encore le commissaire gouvernement? Et le bon, le ministre continuera à appeler le commissaire sous cette plainte, message qu'il recevra et bon côté parle dans le cadre mauvaise gestion que le commissaire a fait. Le ministre de justice dit très attentif avec plein de messages qu'il recevra et en ce qui a fait contre Jean-Ernest Muscadet. L'attendre pour vérifier et la pour appeler que n'importe quoi, le commissaire Muscadet pose une action. Et bien, il a prévoqué, selon sa ministre, Émilie Prophète, il a confirmé, là, ça veut dire, li même pour des autres qui ont fait Mariani, c'est à cause de oui, mais, et bien, là, au lieu pour le ministre, il a déployé force pour aller mettre la paix. Mariani, il faut comprendre sa partie de oui, mais, qui a gagné, qui fait en prison bloqué, et même menacé,
et mes gens Ernest Muscadé, mais you know by m'a dit avant de rejoindre Léonel, m'a comprendre yon ministre et ministre de la justice et le commissaire gouvernement OK sous l'ordre lié ou dit la fait des autres ou dit pose un pile de gars dans juridiction là et ou dit on pose un pile plainte mais d'abord c'est que ministre et pas l'être pour ta mettre et agir ministre. On va venir faire tout bas ça au ministre et justice. On va venir tout bas ça. On est venu pour décision à point fini. Elle dit, je dis à Mbaye pour qu'il y ait un ministre prophète à passer et à boire la boue à ce côté. Si on sent que nous plaît, ou senti, je dis à nous comprendre. Nous comprenons, je dis à par rapport à la question de sécurité. Hein? Nous sommes l'être qui boit à l'heure de payer en mois d'avril, mais nous devons comment le ministre a été capé. Ministre ça ensemble avec Ariel Henry yo te campé te dit yo pas accepter pour moun prend bandi yo pour tuer yo boulé yo li inacceptable li hors la loi et nous te comment ministre t'a défendre et bandi yo ensemble avec Ariel Henry là encore yo l'autre fois encore nous ministre et ministre prophète qui pas jamais dit en sous question bandi yo cap être valété bandi yo cap prendre territoire. Il n'y a pas jamais dit un monde qui a victime dans le Ghana, côté bandit aller sous et bateau là a créé problème. Il n'y a pas jamais dit un pour monde qui a mouru dans le département sud là et en bas. Mais nous avons dit le commissaire Richmond, il n'y a pas jamais dit un. Mais lorsque où est je dis là, mais où t'as le ministre d'où qui est en pile de gars, commissaire Muscadé fait, commissaire Muscadé a violé la loi, commissaire Muscadé lui même pointé du doigt. Et mais il va vérifier le message. Il va le faire plus le message contre Muscadé. Et il va vérifier. Yo, et si possible, il va venir là pour révoquer Muscadé. Et dans l'aide de blâme avec Jean-Ernest Muscadé. Information, Salomon, ouais. Et bien, ministre justice là, qui justement est daté dans l'aide là, et bien, aucune incartade ne sera tolérée. Il ne peut pas tolérer quel que soit. Mais sans Muscadé ta fait la ta qui pas ta calé avec dossier la loi, eh bien la tranché définitivement. Donc nous capable voir ministre et ministre prophète qui montre très fâché par rapport avec bandio intérêt bandio qui t'a menacé par rapport avec présence Muscadé et nous et ministre prophète qui montre très en colère surtout eh bien pour bandio qui se sent pas à l'aise dans le département ni plan qui se sent pas à l'aise surtout dans juridiction commissaire Muscadé. Donc, un ministre prophète qui montre encore une fois la assurée de force bandio. Si toutefois, mon a mon kafou fey, mon a mon tout côté de pays, eh bien, pas de ministre justice. Si toutefois, il y a kidnappé mon, pas de ministre justice. Mais quand il s'agit d'un bandit, eh bien, intérêt menacé, gagne ministre justice. Ministre justice, c'est justice pour tout bandio, mais non pas pour ministre pour justice, pour diaspora, pour des mounos, c'est de la population civile, cap victime chaque jour, encore une fois. Depuis plusieurs mois, nous pas même qu'on est sur le gain de justice, on est capable de 90% haïtien de pays, pas qu'on est non mini justice, hein, tellement il était inactif, mais pendant ce temps, nous est très bon. Je menace, et bien nous tendons de gagner justice, et bien le tap dormi, et bien c'est pendant qu'il était Bouba menacé, et bien il montre, et bien il solidaire avec Bouba. Comment le commissaire Muscadé fait manquer et arrêter Bouba, et bien le ministre lui réveille, lui blâme le commissaire Muscadé. Par rapport à dossier ça et nous et pendant l'aide de blâme ça il te font passer maintenant tête commissaire Richmond tout mais pas grave comme quoi seulement les reprocher commissaire Richmond dossier ça pas supposé parler sur la voie publique et bien c'est comme ça mais nous commissaire Muscadé sévèrement reprimandé dans l'aide de blâme ça côté qu'elle fait qu'on est et aucune action commissaire Muscadé même l'état commettre de façon supplémentaire il pas toléré là encore donc à partir de ça peuple haïtien et mon anip eh bien et parce que nous supposons réagir si nous pas réagir c'est que nous pas monde eh bien Jean qui m'était capable dit et Salomon mais avant de dire Léonel et pas oublier non you n'a pas ministre dit dans il y a lui même parlé de la rue a bloqué et c'est à partir de 8 mai et mini et 8 mai commissaire Muscadé comme quoi Mariani bloqué là c'est à 8 mai et commissaire Muscadé fait courir. Et ouais, ministre là, les trois plus loin encore, lui doit recevoir plusieurs messages, il va le vérifier. On a ça fait quitter Muscadé là, toujours ces messages, il faut vérifier. Tellement de messages. Et le bas, on va dire Léonel, lui dit comme ça, il faut pile de gars. Mais Léonel, sous chef, ou qu'on est, on monte en bas, l'ordre, la fait des gars.
pour bah vous faire c'est prendre pose action mais et pas dénoncer pour venir dénoncer là si ministre tant comme nous remédi et mais si vous senti et même mais trop plein et mais prendre décision fini on va non mais dit c'est à cause de oui mais et mais commissaire Muscadet fait en plus zone bloquée moi me penser là encore ou comment ministre là pour aller des dossiers et qu'on a là pour laguer sous Muscadet mon ministre ça le dit c'est Muscadet qui fait bloquer et Matisse là nous sont les deux c'est Muscadet qui fait bloquer et même Bissat de là à partir de bandit qui a sorti et dans village qui a sorti Bissat nous sont les deux tout et même zone nord bloquée là tout c'est Muscadet pas voir les bandits là qui a sorti non et Canaran ça veut dire aujourd'hui toute et même zone qui bloquée dans le pays où est ministre les responsabilités à sous Muscadet Léonel. Bon, nous connaissons dans le cadre de dossier ça et il y a plusieurs informations encore qui relatives surtout avec dossier commissaire Richemont. N'a pas rappelé dans le cadre déclaration commissaire Richemont te fait connecter du TRD BLTS ainsi à travers éventuelle présence drogue qui te gagne dans juridiction là. Mais faut que du tout d'après information que gagne responsable BLTS a fait connecter qu'a jamais recevoir appel commissaire Richemont et dossier commissaire déclaration ça commissaire Richemont te fait à l'encontre de Muscadet en tout. Dossier ça pas prêté inaperçu. Faut qu'il y ait lumière qui fait et pourquoi pas faut commissaire Richemont ba explication et sinon faut on pense que faut que la justice tranche bon pas la justice haïtienne bon qu'on a là si commissaire Richemont t'a supposé gagne quelques petites paroles pour t'a dit avec dire de même nous se désamen toutefois dossier doit pas contre petit donc commissaire Richemont ou pas capable faire telle déclaration pour essayer éteindre pour essayer éteindre justement et comportement Yo commissaire gouvernement qui a fait un gros travail, mais nous, ça qui a dit nous, les gens qui ont songé la loi. Alors que, ils ont fait approche légale, mais alors que la population a mouru dans le pays, pas jamais gagné. Est-ce que qui côté la loi dit pour bandits après envahir des zones, tout le monde, kidnapper les gens, bouler les gens, saisir les gens, mais le ministre, ça pas jamais intervenu, pas jamais voué. La police ouvre force proportionnelle pour combattre Mounio, alors que Kounye là, intérêt bandit menace, ouais, ministre si ça sorti griffli. Donc c'est pour montrer aux bandits, ils ont appuyé la justice, ils ont soi-disant ministre si ça Emily pour faire qui capte des chaque bandit qui défend droit, même j'ai avec Pierre Espérance qui défend droit bandit, même j'en ai, mais ministre si ça lui montrer que les solidaires avec tout groupe de gang dans le pays, elle montre solidaire avec surtout. Même chef gang Marianne, côté qu'elle fait connait, eh bien, si ce n'est pas le commissaire Muscadet qui a emmerdé Boudba, ça veut dire d'après le ministre justice là, il faut que le commissaire Muscadet n'ait pas emmerdé Boudba, même Jean, l'autre type, bien que les pas emmerdé, eh bien, c'est même Jean de Gabriel ça. Donc, dossier, c'est vraiment drôle de la République pour un ministre de la justice dans le pays, il descend bas comme ça, au lieu que il prend décision pour nettoyer le pays. Pour neutraliser tout bandit, eh bien, ouais, il y a assuré défense bandit. Donc, qui côté ça pour aller? Donc, parce que, peuple haïtien, si nous pas réagir, c'est que vous n'êtes pas des hommes. À partir de cette déclaration, à partir de cette lettre, parce que si peuple n'a pas réagi, c'est que vraiment nous bon peuple. Donc, à partir du moment ça, nous souhaitons que moun nan nip, moun ni agwan, nous connaissons habitué faire déjà. Donc, on y a là, c'est pour une belle ministre, on le font pour le pas, j'aime oser. Parler n'importe comment, pas me permettre à Ozel pour la, justement essayer et blâmer un commissaire gouvernement qui a fait un travail, essayer décourager le commissaire là parce qu'à partir du moment ça, le commissaire a présenté une dépendance souliers parce que il a menacé pour qu'il a révoqué et faire quelque chose à 5 temps fait de façon supplémentaire et dans le cadre de comportement commissaire gouvernement. Donc, non, pays sérieux. Côté que l'âge a bien fait travail, la police a bien fait travail. Commissaire Muscadet pas besoin justement quitter Biwoli pour l'obliger à prendre zam kembe pour essayer et bien faire contrôle. C'est parce que tout en un pas marché. C'est parce que nos situations irrégulières qui fait commissaire là obligé d'y un comportement irrégulier. Jean qu'il t'a supposé faire. Mais en sérieux. Donc je veux dire là si ministre c'est lui même malgré bandit a touyer moun, ça va intimider mais alors que le comportement commissaire Muscadet. Un commissaire Richemont a dû arrêter. Oui, commissaire. Parce Muscadet, que c'est pas juridiction. Son gros déclaration sont faits là, oui. C'est pas juridiction. Commissaire Richemont a dû arrêter commissaire Muscadet. Commissaire Muscadet, c'est quand vous êtes un bandit qui vient faire des ordres dans le département. Sortez-moi là. C'est pas juridiction ni.
c'est pas il pas gain juridiction. Bon, même s'il était un nèg là, il pas gain pouvoir pour l'arrêter parce que nèg là pas son juridiction. Ou pas donc, même s'il t'a joué, même s'il t'a ouais bout de bas même. Vous écoutez, il pas gain juridiction dans zone là. Il pas gain droit arrêter. Ou pas ouais, par exemple, gain des corps qu'on a suivi devant la justice. Et puis moun nan non l'autre zone. Son procuration est obligé par le commissaire dans la zone ça pour zone capable de poursuivre le dossier. Si bagay yo gen des règles qui établi. Okay. Maintenant, comme justement l'État ne fait pas son travail au niveau central, donc bagay la vingaye. Okay. Donc commissaire lui-même qui n'en est pense que c'est deux doigts parce que lui-même ils sont chasseurs de bandits. Donc lui va rentrer dans l'espace territorial qui pas par là. Lui comprend l'a bien fait. Okay. Il est animé du désir de mener un combat contre l'insécurité. Okay. Mais il connaît légalement. Mais légalement, il est mal agi. Légalement, il est en toi. Okay. Il ne va pas le discuter. Maintenant, pour qui ça fait prendre une décision parce qu'il connaît, c'est pas juridiction. Okay. Parce que il n'a pas gagné confiance dans l'autre commissaire. Quand il a fondal besoin, pile l'autre question. Pour qui ça n'a pas gagné confiance dans? Parce que m'attendais l'autre commissaire qui a parlé, qui a presque dit que moun que M. Devinder là, il presque dit le pas un bandit. Il presque dit moun sa patte dans la zone là même. Oui. Il affirme même que le tenantement que moun sa patte là. Oui, mais même par contre, en fait, le commissaire Muscadet a arrêté et bon père, frère, belle-mère. Moun yo confirmé que monsieur était justement te pour salut. Eh ben c'est Zamdou. J'étais relé dans le téléphone. C'est Zamdou. Donc il y a un problème là donc, quelque part. Ou connaît ou et louko sot ap dil yon pays comme une relation entre une fille et un garçon li basé son seul bagaille la confiance. La confiance c'est bien. Son seul bagaille la confiance et le respect. Depuis que vous avez confiance dans vous, la respecte. Depuis confiance en perdu, il n'y a pas de jambe respecte. Ouais, et puis c'est des autres qui gagnent. Donc, si tu as confiance dans le système d'abord, entre commissaire et commissaire, il y a dit, mon cher, j'ai tel bagaille, j'ai telle information, suivre telle piste, telle bagaille. Et tout le bagaille t'a passé dans le silence, c'est l'air de mettre sous contrevenant les amours d'apprendre. Mais comme il n'y a pas la confiance, au lieu de problème de résoudre, il vient tomber dans l'obéille. Par exemple, le commissaire a soutenu NIP, il va côté dans l'hôtel, il demande accès, pas mal accès. Bagaille la fin pas passé un coup de zam. Oui. Un coup de zam. Oui. Maintenant, si il y a un coup de zam capturé dans une juridiction dans le département, le commissaire de police qui est responsable zam, automatique et zone fol interdit pour l'on s'agir. Fol intervenu, c'est clair. Si il est intervenu, puis c'est un commissaire qui n'est pas dans la juridiction. Qui pas dans juridiction capturé. Il n'a pas eu d'elle. Qui ça pour le faire? Des autres gars. Ouais. Donc laisse ça, propre monde qui peut faire front contre bandit, vient retrouver dans une situation face à face. C'est ça qui passe. Deux commissaires vont être dans le compte public à cause d'un bandit. D'un bandit, ouais. Donc, c'est l'État qui n'est pas à sa place, tout simplement. Très bien. Ok, bon. Madame, monsieur, capable de marquer qu'avec le colonel Imla Rebu, nous avons déjà épuisé deux points que nous avons dans ce tableau. Ouais. Et que nous avons sur ce tableau. Là, nous parlons de la question CARICOM, parce que c'était extrêmement important pour nous faire parler avec le colonel Imla Rebu, donc sur la question CARICOM. Pour qui ça? Parce que le colonel Imla Rebu, il était un acteur même. Il était là. Au cœur des négociations. C'est vrai que hier, on a eu une très belle émission avec l'ancien député Serge Jean-Louis. Une très belle émission. Et même, parce que je vous dis, c'était important pour nous inviter le colonel Imler Rebu, donc sur négociations qui étaient gagnées. En fait, que CARICOM a tenté de mener pour être capable de faire un consensus entre les protagonistes pour être capable de gagner une sortie de crise. Donc, dans ça, nous gagnons là comme situation donc, en Haïti. Colonel Imerebu, est-ce que CARICOM a échoué? Bon, premièrement, Fomdou, depuis Bagay Sao Finian, c'est la première fois que je fais une déclaration publique sur ça qui passe. Merci. Je ne peux jamais parler dans aucune station de raison, je ne peux jamais émettre aucune opinion. Avant de rentrer dans la question, on va permettre de gagner une position publique que Gré prend. C'est la première fois que je vais rendre une position publique, c'est dans le matin. Très bien. Allez-y. Je vais prendre à peine une minute allez-y, pour établir la déclaration. Allez-y. Merci. Allez-y.
Le Gré, membre du collectif du 30 janvier, a participé en toute bonne foi aux discussions conduites par la CARICOM qui malheureusement n'ont pas abouti à un accord. Dénonce encore une fois le mensonge de ceux qui racontent gouverner sous l'égide de l'article 149 de la Constitution haïtienne. On ne construit pas un pays sur le mensonge. Est révolté face aux tribulations imposées au peuple haïtien par la cynique passivité du docteur Ariel Henry. Constate avec regret le support direct ou indirect de certains pays étrangers aux souffrances de la population haïtienne, notamment face à toutes les agressions faites aux enfants, aux filles et aux femmes par leur appui à 29 mois de mauvaise gouvernance du docteur Ariel Henry. Prends note du support de certains médias à l'incompétence ou la complicité du gouvernement dirigé par le docteur Ariel Henry lorsqu'ils attribuent à l'opposition des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Rappelle à tous et à chacun que le rôle de l'opposition se limite à dénoncer, critiquer et à proposer. Seuls ceux qui dirigent l'État ont le pouvoir, le devoir et la capacité d'agir. Allemand, la police dans la zone, le commissaire du gouvernement a été fait pour t'arrêter, M. lui-même. Ok, donc, c'est le même problème, l'État n'est pas là. L'État n'est pas là. Premièrement, le commissaire qui sortit dans le plan, qui est dans le sud, sorti dans la juridiction. Et tous les principes établis voudraient qu'il t'a rentré en contact avec le commissaire dans la zone là, pour refiler l'information hein, pour structure de sécurité dans la zone Nagi. Parce que il n'est pas dans la zone de. Donc il n'est pas de droit d'exercice personnellement. Le pouvoir, il n'est pas capable d'affrontement là. Mais tellement pas de l'État. Ça a information. Hein, il n'y a pas de confiance dans ça qui a une responsabilité dans la zone. Non? Okay. Et puis lui-même, il dit bon, il faut partir pour résoudre le problème. Ça. Et puis, il tombe dans l'illégalité. Parce que ce n'est pas zone de fonction, par exemple. Yeah. Normal.